Coucou. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Rexnel. Direction la Corée du Sud avec le dernier groupe en date de la Woolim Entertainment, j'ai nommé Lupin et leur nouveau titre Free Pass. J'ai un petit peu eu du mal avec leur précédent comeback il y a 3 mois à peu près. J'ai écouté plusieurs fois la chanson mais c'était pas vraiment un coup de cœur. Je suis très mitigée. Maintenant je vois niveau miniature et j'ai vu le teaser je pense ce matin en me réveillant. C'est très frais, très été. J'espère qu'ils vont peut-être me reconquérir avec leur début parce que leur début j'avais vraiment aimé leur titre. Nostalgia il me semble. Donc j'espère que là ils vont me reconquérir de nouveau. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Ok, d'accord. En fait, je sais pas, faire mesure que je vieillis, j'ai un peu du mal avec les concepts trop cucu, quoi. Voilà, quoi. J'aime mieux les trucs badass et tout, en fait. Après, il faut une certaine dose, quoi. Faut pas tout le temps que ce soit trop... Ouh, c'était sympa, ce pas-là. Ok, très beau chapeau. Ok, il va se dépendre. C'est comme s'ils étaient en camp de vacances. Hein. Et le camp de vacances, c'est pas mal. Sympa aussi, ça. Ok. Le refrain. Le refrain est pas mal. J'aime bien que les billets de train ou de métro, il y a marqué leur titre de la chanson, c'est assez sympa. Ok. Cette partie, j'aime bien. Oh, il a le même bleu que moi. Partie rap. Ok. On dirait un petit peu qu'ils sont donc en camp de vacances, mais en même temps qu'il y a une fête foraine à côté. Bon appétit, les gars. C'est quand même une chanson qui est bien pour l'été, la saison actuelle je trouve. Mais le MV est chouette, hein, il est sympa, mais c'est pas non plus mon délire quoi de base, tu vois. Après les rap, les voix et tout, c'est encore tip top comme d'hab. Hein. Mais oui, trop c'est aigu et tout, ça en devient insupportable pour moi, je sais pas pourquoi. Mais voilà quoi. Je sais que là-bas dans leur culture c'est courant quoi. Sympa. Ok. On passe à un autre rythme. Sympa. Ok. On va dire qu'ils me réconcilient tout doucement de nouveau avec ce groupe. Il y a beaucoup de parties que j'aime bien. Après peut-être écouter leur nouvel album pour voir. Un mystère de billets de train. Oh ouais, des marshmallows, ça fait longtemps. Sont tous arrivés à destination ou on dirait peut-être qu'ils rêvaient ou je sais pas. Ça c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup la police et ce truc qui est arrivé. Et bien que dire sur leur nouveau titre, je suis encore assez mitigée mais peut-être pas sur un coup de cœur mais appréciable on va dire. Il y a beaucoup de parties, voilà, je pense que vous l'avez compris durant mon visionnage, que j'aime bien. Maintenant je sais pas ce que j'ai en ce moment mais j'ai du mal avec les trucs un peu trop boys. Mignon et ses aigus, ça parfois ça m'insupporte, je suis désolée si ça vous choque mais après tout c'est ma chaîne, c'est mon avis.
Mais oui, j'ai du mal avec ça. Après, je comprends que c'est dans leur culture, ils sont comme ça. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai vraiment du mal. Par contre, j'aime quand même le MJ, comment il a été tourné. C'est bien fait. Vraiment, ce camp de vacances est très bien fait avec tous ces détails, ces petits mobil-homes. Un petit peu un côté vintage que j'apprécie. Vraiment, toute la panoplie de couleurs assez dans les pastels que j'aime. Enfin, vous savez que moi, les couleurs, ça fait un. Mais dans l'ensemble, la chanson est assez sympa. J'aime beaucoup cette thématique vraiment de camp de vacances et puis à côté vraiment aller dans un parc d'attractions, c'est quand même une bonne chanson pour l'été je trouve. Donc dans l'ensemble j'ai quand même bien apprécié, il me réconcilie tout doucement avec le groupe. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur le MJ et leur chanson. Moi je vous fais plein plein de gros bisous, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, sayonara. I'm not a